Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite ouverture des 3 boosters évolution en Paldea. Je n'en ai que 3 puisque c'est suite en fait à une avant-première Pokémon. Donc bah et voilà, je vais vous raconter vite fait mon parcours. On a eu 3 rounds, j'ai gagné les 3 rounds, j'ai fini premier, je suis le seul à avoir eu 3 victoires. Donc je suis assez fier de moi pour mon tout premier tournoi Pokémon, mais c'était bien cool. Du coup, on va regarder ça en détail, mais du coup, j'ai 3 boosters évolution à Paldea. Alors chacun, en plus, ce qui est cool, c'est que c'est avec du coup les 3 starters à leur évolution maximum. Et en plus de ça, un petit pack récompense première série. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. On va commencer du coup par les évolutions à Paldea. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai du coup ce que j'ai eu dans les boosters de l'avant-première. Parce que oui, en fait, on ouvre des boosters, c'est ça les avant-premières. C'est on ouvre des boosters et on fait un deck avec... Et on s'amuse, et c'est franchement, c'est vraiment drôle. Allez, c'est parti pour découvrir tous ensemble ce qu'on va avoir dans cette première ouverture de coup d'évolution à Paldea. Alors, on commence avec une énergie électrique, un cas d'oiseau, une méga canne, un love disc, Blizzy, oh, machine, ok. Amacelle, je suis pas très fan d'Amacelle. Bleuzeil, ça va, il est cool. Bleuzeil, il est cool. Flambusard, donc voilà, le Pokémon oiseau de feu. Paraît cool. Et un Beraska. Bon, voilà, c'est pas ouf pour ce premier booster, malheureusement. Bon, petit Beraska, voilà, brillant. Maintenant, je crois que c'est obligatoire qu'on en ait une à l'intérieur. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Je garde mes cartes pour la fin. Enfin, je garde. On va prendre l'oiseau, là, je ne sais plus son nom. Palmalave, je crois que c'est. Je ne sais plus son nom. Allez. Let's go. Hop, une. Et on regarde ce qu'on va avoir. Alors, on commence avec une énergie métal. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Acier de type acier. Griboograine. Un Germéclat. Virovent, ça Virovent, un petit Lixi, il est choupi le Lixi d'ailleurs, j'aime beaucoup, un Trépassable, un Raichu, pas mal puissant quand même le Raichu, Cyderella, Makuhita, Pomme de Pique, ok, derrière nous avons un Délestin, ok, est-ce qu'on va avoir une Full Art dans ces 3 boosters, franchement ce serait top, j'ai réussi à en avoir une dans les boosters de l'avant-première, mais là, ce serait vraiment tip top de pouvoir en choper une pour l'ouverture. Parce que bon, je n'allais pas filmer mon avant-première. Je voulais vraiment profiter. Ok, c'est un petit peu abîmé là. Mais c'est pas grave. C'est que la carte code promo. Hop, allez, on retourne ça. Alors, une énergie psy. Forgerette. Ferro-singe. Cas d'oiseau. Ferro-singe. Deux fois le même Pokémon dans le même booster. Bon, ok, why not. Azumarill, malheureusement ce n'est point une brillante. Upiren, BK Glaçon, je fais dédicace à ma femme qui l'a eu dans son deck et qui l'a joué au tournoi. Oh, Fairy Giraffe, l'évolution de Girafarine, plutôt cool de l'avoir. Mimiki, pareil, je l'ai déjà eu malheureusement, mais tant mieux de l'avoir en x2. Et derrière nous avons une ex, Amphibidou, oh la vache, Amphibidou. Ouais, Amphibidou. Ok, c'est Amphibidou. C'est une ex. C'est cool. Alors, une ex, c'est cool. C'est cool d'avoir une ex. Mais on n'a pas fini l'ouverture, les copains. On n'a pas fini. Ah, super. Mon assistante, ma femme, qui me montre. Du coup, voilà. J'ai eu un petit mini-sange dedans, Foulard, qui est vachement beau. Je l'ai joué dans le deck. Du coup, je trouvais ça rigolo parce que il fait renvoyer. Donc, il permet d'inverser un Pokémon 2 qui est actif et le renvoie sur le banc. Allez, on termine avec le pack récompense. On va voir ensemble ce que je vais avoir comme récompense pour avoir gagné tout ça. Vais-je être lucky ou pas? Apparemment, je dis bien apparemment, à ce qui paraît, il y a un Dracaufeu à choper. Bon, après, c'est peut-être pour déconner qu'ils ont dit ça, les gars. Mais il y aurait un Dracaufeu à choper. Attention, je sais pas du tout c'est comment le truc. J'en sais rien. C'est un seul aussi. Bon, bah voilà. Alors, une énergie. Let's go. Sarah, Connor. Voilà, petite carte dresseur. Roy. Oh putain, mais que des dresseurs. Je suis un peu triste là pour le coup si j'ai que des dresseurs. Smogogo de Galar. Et cap d'endurance. Ah non, il y en a une autre derrière.
Et c'est le maillet écrasant. Bon bah voilà, on a... Ah mais j'ai presque que eu des dressurettes dans... Heureusement qu'on a eu le... Ampibidou X. Voilà, je galère à le dire. Je suis vraiment désolé. Mais les nouveaux Pokémon, j'ai un petit peu de mal à prononcer leur nom. Hein. M'en voulez pas, ne m'en voulez pas. J'espère que cette petite ouverture vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de boutiques en ce moment qui font des avant-premières Pokémon. Donc foncez, franchement, c'est une bonne expérience. Nous, ça nous a coûté 35 euros. Dedans, du coup, on a eu 4 boosters plus une base de deck, en fait, pour jouer. Et en plus, derrière, bah, du coup, on a 3 autres boosters, plus le booster de ligne. Donc, en fait, on est gagnant sur toute la ligne en termes de jeu et même de collection, puisque bah, on peut choper les boosters, n'oubliez pas. Donc, qui dit booster dit potentiellement des cartes qui peuvent coûter pour ou pour la collection des cartes rares. Donc, n'hésitez pas, foncez. Allez, sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. J'aime beaucoup dire des trucs prochains. Allez, salut à tous. We'll be right back.